J'ai essayé parce qu'il est vraiment, il est au milieu de la foule, quoi, DJ, il est, tu le vois, donc, tellement il est prêt, quoi, c'est hallucinant, ça. Tu sais, d'habitude, ils sont un petit carré noir, dans un coin de la boîte et tout, là, c'est vraiment le DJ star, quoi. En plus, elle est belle, la boîte, hein. Elle est folle. C'est pas des cuisses qui portent, c'est le marito, c'est la poêle. On n'a pas payé l'entrée du coup, toi. Mais comment tu rentres? T'as un rentré coup ou non? Ah en stop ce matin là, bah il y a tout de suite. Non. Mais si. Trois voitures, parfait, pile poil. Je suis parti à... Je commence à 9h30, je suis parti à 8h30 de là-bas. Mec, il y a une voiture qui arrive à balle. Je commence à 9h30. Touche, tac, elle s'arrête tout de suite. Je suis super pressé, je vais super rue. Je crois que j'y trace, il n'y a pas de problème. Ouais. Et tac, elle y va, et la meuf habitait à 2 km de chez moi. Avec qui tu étais? Tout seul. Seul? Bah ce matin, ouais, on stop. Je me mets dans l'ambiance, et je me trouve là-bas.
vraiment mal. Alors pourquoi, ouais. T'as dû bien rêver, cette fille. Pourquoi, t'es pris? Ah, demande de bien. Pourquoi, avant, on va aller des filles. J'ai signé dans les bras, il y avait une autre merde qui s'est dit. Non, honnêtement, ouais. Et là, j'ai signé. Elle ne te lâchait pas. Dad. Ça fait 2 heures dans la vague. La voiture est je te connais. Un décharge. C'est trouvé. C'est dans le deal. Un décharge déposé. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce pourquoi mon génie n'est pas là parce que je suis arrivé en caleçon? Non, non, on t'a ramené, Olivier, t'as ramené alors. Il y a que ça, il y a un gars de mon équipe qui t'a ramené. Bon. Il y a que ça. Il y avait de la vase jusque là. Et le mec, c'est dégueulasse. Mais pourquoi t'avais de la vase? C'est les corps qui m'ont ramené, je suis fermé en camtar par un chauffeur, par un routier. Qui m'a déposé juste devant Golfo du Sonio. Un routier, j'avais de la vase jusque là, c'était dégueulasse, ils m'ont passé au jet d'eau. Je te rappelle de tous mes noms là. Je sais pas comment je suis arrivé là-bas par contre. Ouais. Par contre, j'y crois pas, t'as tellement fait beau. Mec, elle m'arrête au super et je fais du stop. Allez, 4 minutes à tout casser, tac, un mec me prend, il m'amène au rond-point, au poulet rôti, machin, je sais pas quoi, route de Saint-Cyp qu'elle a offre. Ensuite, là je marche un peu, peut-être 10 minutes quoi. Et il y a un autre mec qui me prend et qui me dit. La vie elle est pas belle, elle est magnifique, tellement elle est belle. Trop heureux. Je suis arrivé dans les champs de base, je suis dégueulasse, j'étais dégueulasse. C'est vraiment super. Les mecs ils m'ont passé au jet d'eau. Ah, mais je pue la mort. Hein. Ils m'ont passé au jet d'eau. Pendant qu'ils étaient avec les ordures. Ah ça va revenir. Tu t'es fait choper par un camion poubelle ou quoi? Je crois bien, en fait. C'est ça? Comment je suis parti de ce truc là? J'en sais rien, on est tombé. Je suis venu au fauvet. Dans la vague. Mais dans quelle vague? C'est pas de vague au fauvet? Mais non! Dans quelle vague? T'as jamais été au fauvet, t'arrêtes de te délirer. Tu vois mon pull? On n'a jamais été là-bas, c'est possible. Si tu veux, si je retrouve mon pull, on était là-bas, il y aurait quelqu'un qui t'aurait ramené un autre. Je me suis fait ramener par des corps, en camtar, au camion, poubelle. Parce qu'il avait derrière toute la. Il y avait 3,6 tonnes de bord d'ordure, je me souviens sur la vérité. Donc t'as marché en portant t'as marché à fond là. Parce qu'il n'y a pas de camion poubelle comme ça au parking, genre, vas-y, viens, on monte. C'est impossible. J'ai dû marcher comme un porc. C'est vrai. C'est plus à faire, t'as et nous, en même temps, on a dormi 2 heures. Je suis revenu comme ça, quoi. Nous, on a dormi 2 heures. On s'est réveillé, s'il vous plaît. Dans sa caisse, quoi. J'ai fait clé, tout ça. Voilà. C'est parti que c'est clé, tout. Ça fait de la vie. Mais ça, c'est clé au moins, quoi. Ça va. Ouais,